madame. Puis-je vous dire un mot? Que me voulez-vous? Un jeune homme de cette ville était éperdument amoureux de vous. Depuis un mois entier, il chercherait une l'occasion de vous la prendre. Voici une lettre qu'il m'a donnée. Son nom est Célio. Il est d'une noble famille et d'une figure distinguée. En voilà assez. Dites à celui qui vous envoie qu'il perd son temps et sa peine. Et que s'il a l'audace de me faire entendre une seconde fois un pareil langage, j'en instruirai mon mari. Eh bien, Chuta, qu'a-t-elle dit? Plus dévote et plus orgueilleuse que jamais. Elle instruira son mari, dit-elle, si on la poursuit plus longtemps. Oh, malheureux je suis, je n'ai plus qu'à mourir. À la plus cruelle de toutes les femmes. Et que me conseilles-tu, Chuta? Quelles ressources puis-je encore trouver? Je vous conseille d'abord de ne pas rester là, car voici son mari qui la suit. Es-tu mon fidèle serviteur? Mon valet de chambre dévoué? Apprends que j'ai à me venger d'un outrage. Vous, monsieur? Moi-même. Puisque ces impudentes guitares ne cessent de murmurer sous les fenêtres de ma femme. Mais patience, tout n'est pas fini. Écoute un peu de ce côté. Voilà du monde qui pourrait nous entendre. Tu m'iras chercher ce soir le spadassin que je t'ai dit. Pourquoi faire? Je crois que Marianne a des amants. Vous croyez, monsieur? Oui. Il y a autour de ma maison une odeur d'amants. Personne ne passe naturellement devant ma porte, il y pleut des guitares et des entremetteuses. Est-ce que vous pouvez empêcher qu'on ne donne des sérénades à votre femme? Non. Mais je puis poster un homme derrière la grille et me débarrasser du premier qui entrera. Fille, votre femme n'a pas d'amant. C'est comme si vous disiez que j'ai des maîtresses. Pourquoi n'en aurais-tu pas, Tibia? Tu es fort laid, mais tu as beaucoup d'esprit. J'en conviens, j'en conviens. Non, regarde, Tibia, tu en conviens toi-même. Il n'en faut plus douter et mon déshonneur est public. Pourquoi public? Je te dis qu'il est public. Mais monsieur, votre femme passe pour un dragon de vertu dans toute la ville. Elle ne voit personne et ne sort de chez elle que pour aller à la messe. Oh, laisse-moi faire. Je ne me sens pas de colère. Après tous les cadeaux qu'elle a reçus de moi. Oui, dis bien. Je machine en ce moment une épouvantable trame et me sens prêt à mourir de douleur. Oh, que non. Quand je te dis quelque chose, tu me ferais plaisir de le croire. Malheur à celui qui, au milieu de la jeunesse, s'abandonne à un amour sans espoir. Malheur à celui qui se livre à une douce rêverie avant de savoir où sa chimère le mène et s'il peut être payé de retour. Mollement couché dans une barque, il s'éloigne peu à peu de la rive. Il aperçoit au loin des plaines enchantées, de vertes prairies et le mirage léger de son Eldorado. Les vents l'entraînent en silence. Et quand la réalité le réveille, il est aussi loin du but où il aspire que du rivage qu'il a quitté. Il ne peut plus ni poursuivre sa route, ni revenir sur ses pas. Quelle est cette mascarade? Les spectacles que j'aperçois? Assez, mes amis, retournez à la gîte. C'est raclé pour aujourd'hui. Comment se porte mon bon monsieur, cette gracieuse mélancolie? Octave! Oh, fou que tu es, tu as un pied de rouge sur les joues. D'où te vient cet accoutrement? N'as-tu pas de honte en plein jour? Oh, Célio, fou que tu es. Tu as un pied de blanc sur les joues. D'où te vient ce large habit noir? N'as-tu pas de honte en plein carnaval? Où tu es gris, où je le suis moi-même. Où tu es amoureux, où je le suis moi-même. Plus que jamais de la belle Marianne. Plus que jamais de 28, quoi. J'allais chez toi quand je t'ai rencontré. Et moi aussi, j'allais chez moi. Comment se porte ma maison? Il y a 8 jours que je ne l'ai vue. J'ai un service à te demander. Parle, Célio, mon cher enfant. Veux-tu de l'argent? Je n'en ai plus. Veux-tu des conseils? Je suis ivre. Veux-tu mon épée, voler une patte d'arlequin? Parle, parle, dispose de moi. Combien de temps cela durera-t-il? 8 jours hors de chez toi? Tu te tueras, Octave. Jamais de ma propre main, mon ami, jamais. J'aimerais mieux mourir que d'attenter à mes jours. Et n'est-ce pas un suicide comme un autre que la vie que tu mènes? Figure-toi.
Un danseur de corde en brodequin d'argent, le balancier au poing. Suspendu entre le ciel et la terre. À droite et à gauche, de vieilles petites figures racornies, de maigres et pâles fantômes. Des créanciers agiles, des parents et des courtisanes, toute une légion de monstres. Se suspendent à son manteau et le tiraillent de tous côtés pour lui faire perdre l'équilibre. Des phrases redondantes, de grands mots enchâssés, cavalcadent autour de lui. Une nuée de prédictions sinistres l'aveugle de ses ailes noires. Il continue sa course légère de l'Orient à l'Occident. S'il regarde en bas, la tête lui tourne. S'il regarde en haut, le pied lui manque. Il va plus vite que le vent. Et toutes les mains tendues autour de lui ne lui feront pas renverser une goutte de la coupe joyeuse qu'il porte à la sienne. Voilà ma vie, mon cher ami. C'est ma fidèle image que tu vois. Que tu es heureux d'être fou. Que tu es fou de ne pas être heureux. Dis-moi un peu, toi. Qu'est-ce qui te manque? Il me manque le repos, la douce insouciance qui fait de la vie un miroir où tous les objets se peignent un instant et sur lequel tout glisse. Une dette pour moi est un remords. L'amour dont vous autres vous faites un passe-temps trouble ma vie entière. Oh, mon ami, tu ignoreras toujours ce que c'est qu'aimer comme moi. Mon cabinet d'études est désert. Depuis un mois, j'erre autour de cette maison la nuit et le jour. Quel charme j'éprouve au lever de la lune, à conduire sous ces petits arbres au fond de cette place mon cœur modeste de musicien, à marquer moi-même la mesure, à les entendre chanter la beauté de Marianne. Jamais elle n'a paru à sa fenêtre, jamais elle n'est venue appuyer son front charmant sur sa jalousie. Qui est cette Marianne? Est-ce que c'est ma cousine? C'est elle-même la femme du vieux Claudio. Je n'ai jamais vu, mais à coup sûr, elle est ma cousine, Claudio. Et fait exprès. Confie-moi tes intérêts, Céline. Tous les moyens que j'ai tentés pour lui faire connaître mon amour ont été inutiles. Elle sort du couvent. Elle aime son mari et respecte ses devoirs. Sa porte est fermée à tous les jeunes gens de la ville. Et personne ne peut l'approcher. Ouais. Est-elle jolie? Oh. Sauf que je suis, tu l'aimes, cela n'importe guère. Que pourrions-nous imaginer? Faut-il te parler franchement? Ne te riras-tu pas de moi? Laisse-moi rire de toi et parle franchement. En ta qualité de parent, tu dois être reçu dans la maison. Suis-je reçu? Je n'en sais rien. Admettons que je suis reçu. À te dire vrai, il y a une grande différence entre mon auguste famille et une botte d'asperges. Nous ne formons pas un faisceau bien serré. Et nous ne tenons guère les uns aux autres que par écrit. Cependant, Marianne connaît mon nom. Faut-il lui parler en ta faveur? 20 fois j'ai tenté de l'aborder. 20 fois j'ai senti mes genoux fléchir en approchant d'elle. J'étais forcé de lui envoyer la vieille Chuta. Quand je la vois, ma gorge se serre et j'étouffe, comme si mon cœur se soulevait jusqu'à mes lèvres. J'ai éprouvé cela. C'est ainsi qu'au fond des forêts, lorsqu'une biche avance à petits pas sur les feuilles sèches et que le chasseur entend les bruyères glisser sur ses flancs inquiets comme le frôlement d'une robe légère, les battements de cœur le prennent malgré lui. Il soulève son arme en silence, sans faire un pas, sans respirer. Pourquoi donc suis-je ainsi? N'est-ce pas une vieille maxime parmi les libertins que toutes les femmes se ressemblent? Pourquoi donc y a-t-il si peu d'amour qui se ressemble? En vérité, je ne saurais aimer cette femme comme toi, Octave, tu l'aimerais. Ou comme j'en aimerais une autre. Qu'est-ce donc pourtant que tout cela? 2 yeux bleus, 2 lèvres vermeilles, 1 robe blanche et 2 blanches mains. Pourquoi ce qui te rendrait joyeux et empressé, ce qui t'attirerait, toi, comme l'aiguille aimantée attire le fer, me rend-il triste et immobile? Qui pourrait dire ceci est gai ou triste? La réalité n'est qu'une ombre. Appelle l'imagination folie ce qui la divinise. Alors, la folie est la beauté elle-même. Chaque homme marche enveloppé d'un réseau transparent qui le couvre, de la tête aux pieds. Il croit voir des bois et des fleuves, des visages divins. Et l'universelle nature se teint sous ses regards des nuances infinies du tissu magique. Octave! Octave! Viens à mon secours! J'aime ton amour, Célio. Il divague dans ta cervelle comme un flacon syracusain. Donne-moi la main, je viens à ton secours. Attends un peu, l'air me frappe au visage et les idées m'en viennent. Je connais cette Marianne.
Elle me déteste fort sans m'avoir jamais vu. C'est une mince poupée qui m'armonne des aves sans fin. Fais ce que tu voudras, mais ne me trompe pas, je t'en conjure. Il est aisé de me tromper. Je ne sais pas me défier d'une action que je ne voudrais pas faire moi-même. Si tu escaladais les murs. Entre elle et moi, tu murailles imaginaire que je n'ai pu escalader. Si tu lui écrivais. Elle déchire mes lettres, où me les renvoie. Si tu en aimais une autre, viens avec moi, chère Rosalade. Le souffle de ma vie est à Marianne. Elle peut, d'un mot de ses lèvres, l'anéantir ou l'embraser. Vivre pour une autre me serait plus difficile que de mourir pour elle. Ou je réussirai. Ou je me tuerai. Silence, la voici qui détourne la rue. Retire-toi, je vais l'aborder. Y penses-tu, dans l'équipage où te voilà? Essuie-toi le visage, tu as l'air d'un fou. Voilà qui est fait. L'ivresse et moi, mon cher Célio, nous nous sommes trop chers l'un à l'autre pour nous jamais disputer. Elle fait mes volontés comme je fais les siennes, aucune crainte là-dessus. C'est le fait d'un étudiant en vacances qui se grise un jour de grand dîner, de perdre la tête et de lutter avec le vin. Moi, mon caractère est d'être ivre. Ma façon de penser est de me laisser faire. Et je parlerai au roi. En ce moment, comme je vais parler à ta belle. Je ne sais ce que j'éprouve. Non ! Ne lui parle pas ! Pourquoi ? Je ne puis dire pourquoi. Il me semble que tu vas me tromper. Touche-la. Je te jure sur mon honneur que Marianne sera à toi, ou à personne, tant que j'y pourrai quelque chose. Depuis que je suis au monde, je n'ai encore trompé personne. Et je ne commencerai pas par mon meilleur ami. Ne vous détournez pas, princesse de beauté. Laissez tomber vos regards sur le plus humble de vos serviteurs. Qui êtes-vous ? Mon nom est Octave. Je suis cousin de votre mari. Venez-vous pour le voir ? Entrez au logis, il va revenir. Je ne viens pas pour le voir. Et n'entrerai point au logis, de peur que vous ne m'en chassiez tout à l'heure quand je vous aurais dit ce qui m'amène. Dispensez-vous donc de me le dire et de m'arrêter plus longtemps. Je ne saurais m'en dispenser et vous supplie de vous arrêter pour l'entendre. Cruelle Marianne, vos yeux ont causé bien du mal et vos paroles ne sont pas faites pour le guérir. Que vous avez fait, Célio ? De qui parlez-vous ? Et quel mal ai-je causé ? Un mal, le plus cruel de tous, car c'est un mal sans espérance. Le plus terrible, car c'est un mal qui se chérit lui-même et repousse la coupe salutaire jusque dans la main de l'amitié. Un mal qui fait pâlir les lèvres sous des poisons plus doux que l'ambroisie. Et qui font en une pluie de larmes le cœur le plus dur, comme la perle de Cléopâtre. Un mal que tous les aromates, toute la science humaine ne saurait soulager, et qui se nourrit du vent qui passe, du parfum d'une rose fanée, du refrain d'une chanson, et qui puise l'éternel aliment de ses souffrances dans tout ce qui l'entoure, comme une abeille son miel dans tous les buissons d'un jardin. Me direz-vous le nom de ce mal ? Que celui qui est digne de le prononcer vous le dise. Que les rêves de vos nuits, que vos orangers verts, que le printemps vous l'apprennent. Que vous puissiez le chercher un beau soir, vous le trouverez sur vos lèvres. Son nom n'existe pas sans lui. Est-il si dangereux à dire ? Si terrible dans sa contagion qu'il effraie une langue qui plaît dans sa faveur ? Est-il si doux à entendre, cousine, que vous le demandiez ? Vous l'avez appris à Célio. C'est donc sans le vouloir, je ne connais ni l'un ni l'autre. Que vous les connaissiez ensemble et que vous ne les sépariez jamais, voilà le souhait de mon cœur. En vérité. Célio est le meilleur de mes amis. Si je voulais vous faire envie, je vous dirais qu'il est beau comme le jour jeune, noble, et je ne mentirais pas, mais je ne veux que vous faire pitié. Et je vous dirais qu'il est triste comme la mort depuis le jour où il vous a vu. Est-ce ma faute s'il est triste ? Est-ce sa faute si vous êtes belle ? Il ne pense qu'à vous. À toute heure, il rôde autour de cette maison. N'avez-vous jamais entendu chanter sous vos fenêtres ? N'avez-vous jamais soulevé à minuit cette jalousie et ce rideau ? Tout le monde peut chanter le soir et cette place appartient à tout le monde. Tout le monde aussi peut vous aimer, mais personne ne peut vous le dire. Quel âge avez-vous, Marianne ? Voilà une jolie question. Et si je n'avais que 19 ans, que voudriez-vous que j'en pense ? Vous avez donc encore 5 ou 6 ans pour être aimé, 8 ou 10 pour aimer vous-même, et le reste pour prier Dieu. Vraiment. Eh bien, pour mettre le temps à profit, j'aime Claudio, votre cousin et mon mari. Mon cousin et votre mari ne feront jamais à eux deux qu'un pédant de village. Vous n'aimez point, Claudio. Ni Célio.
Vous pouvez le lui dire. Pourquoi? Pourquoi n'aimerais-je pas Claudio? C'est mon mari. Pourquoi n'aimeriez-vous pas Célio? C'est votre amant. Me direz-vous aussi pourquoi je vous écoute? Adieu, Seigneur Octave. Voilà une plaisanterie qui a duré assez longtemps. Ma foi, elle a de beaux yeux. Oh, voici Claudio. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je ne me soucie guère de continuer la conversation avec lui. Tu as raison. Bonsoir, cousin. Bonsoir. Tu as raison, cousin. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Tu as raison. Et ma femme est un trésor de pureté, que te dirais-je de plus? C'est une vertu solide. Vous croyez, monsieur? Peut-elle empêcher qu'on ne chante sous ses croisées? Les signes d'impatience qu'elle peut donner dans son intérieur sont les suites de son caractère. As-tu remarqué que sa mère, lorsque j'ai touché cette corde, a été tout d'un coup du même avis que moi? Relativement à quoi? Relativement à ce qu'on chante sous ses croisées. Chanter n'est pas un mal, je fredonne moi-même à tout moment. Mais bien chanter est difficile. Difficile pour vous et pour moi, qui n'ayant pas reçu de voix de la nature ne l'avons jamais cultivé. Mais voyez, comme ces acteurs de théâtre s'en tirent habilement. Ces gens-là passent leur vie sur les planches. Combien croyez-vous qu'on puisse donner par an? À qui? Un juge de paix? Non, un chanteur. Je n'en sais rien. On donne à un juge de paix le tiers de ce que vaut ma charge. Les archi-conseillers ont le double. Si j'étais podestat chez nous, que je fusse marié et que ma femme eût des amants, je prendrais plaisir à les condamner moi-même. À combien d'années de galets? À la peine de mort. Un arrêt de mort est une chose superbe à lire à haute voix. Mais ce n'est pas le podestat qui le lit, c'est le greffier. Le greffier de votre tribunal a une jolie femme. Non, c'est le président qui a une jolie femme. J'ai soupé hier avec eux. Le greffier aussi. Le spadassin qui doit venir ce soir est l'amant de la femme du greffier. Quel spadassin? Celui que vous avez demandé. Il est inutile qu'il vienne après ce que je t'ai dit tout à l'heure. À quel sujet? Au sujet de ma femme. La voici qui paraît. Savez-vous ce qui m'arrive pendant que vous courez les champs? J'ai reçu la visite de votre cousin. Qui cela peut-il être? Nommez-le par son nom. Octave, qui m'a fait une déclaration d'amour de la part de son ami Célio. Qui est ce Célio? Connaissez-vous cet homme? Trouvez bon que ni lui ni Octave ne mettent les pieds dans cette maison. Oh, mais je le connais! C'est le fils d'Hermia, notre voisine. Qu'avez-vous répondu à cela? Il ne s'agit pas de ce que j'ai répondu, comprenez-vous ce que je dis? Donnez ordre à vos gens qu'ils ne laissent entrer ni cet homme ni son ami. Je m'attends à quelque importunité de leur part, et je suis bien aise de l'éviter. Que penses-tu de cette aventure, Tibian? Il y a quelques ruses là-dessous. Vous croyez, monsieur? Pourquoi n'a-t-elle pas voulu dire ce qu'elle a répondu? La déclaration est impertinente, il est vrai, mais la réponse mérite d'être connue. J'ai le soupçon que ce Célio est l'ordonnateur de toutes ces guitares. Défendre votre porte à ces deux hommes est un sûr moyen de les éloigner. Rapporte-t'en à moi. Il faut que je fasse part de cette découverte à ma belle-mère. Ah, la voici, justement. Qui? Ma belle-mère? Non, Hermia, votre voisine. Ne me parliez-vous pas d'elle il y a un instant? Oui, comme étant la mère de ce Célio, et c'est la vérité, Tibia. La voici qui vient de ce côté. C'est une femme respectable. Oui. Ses biens sont considérables. J'entends aussi qu'elle a de bonnes mœurs. Si vous l'abordiez, monsieur. Y penses-tu? La mère d'un jeune homme que je serais peut-être obligé de faire poignarder ce soir même. Sa propre mère, Tibia Fidon. Je ne reconnais pas là ton habitude des convenances. Viens, Tibia, rentrons au logis.
A-t-on fait ce que j'ai ordonné? A-t-on dit aux musiciens de venir? Oui, madame, ils seront ce soir à vos ordres. Ou pour mieux parler... Qu'est-ce à dire? A-t-on tout préparé? Comme je l'ai dit pour le souper? Aurons-nous notre belle voisine, la comtesse Pergoli? À quelle heure est sorti mon fils? Pour être sorti, il faudrait d'abord qu'il fût rentré. Il a passé la nuit dehors. Vous ne savez ce que vous dites? Il a soupé hier avec moi et m'a ramené ici. A-t-on fait porter dans le cabinet d'études le tableau que j'ai acheté ce matin? Du vivant de son père, il n'en aurait pas été ainsi. Mais du vivant de sa mère, il en est ainsi. Malvolio, qui vous a chargé de veiller sur sa conduite? Songez-y que Célio ne rencontre pas sur son passage un visage de mauvais augure. Qu'il ne vous entende pas grommeler entre vos dents, comme un chien de basse-cour à qui l'on dispute l'os qu'il veut ronger. Ou par le ciel, pas un de vous ne passera la nuit sous ce toit. Je ne grommelle rien, ma figure n'est pas un mauvais présage. Vous me demandez à quelle heure est sorti mon maître et je vous réponds qu'il n'est pas rentré. Depuis qu'il a l'amour en tête, on ne le voit pas quatre fois la semaine. Pourquoi les livres de Célio sont-ils couverts de poussière? Pourquoi ces meubles sont-ils en désordre? Pourquoi faut-il qu'ici je mette la main à tout si je veux obtenir quelque chose? Il vous appartient bien de lever les yeux sur ce qui ne vous regarde pas lorsque votre ouvrage est à moitié fait, que les soins dont on vous charge retombent sur les autres. Allez! Et retenez votre langue. Eh bien, mon cher enfant, quels seront vos plaisirs aujourd'hui? Les vôtres, ma mère. Et quoi, les plaisirs communs et non les peines communes? C'est un partage injuste, Célio. Ayez des secrets pour moi, mon enfant, mais non pas de ceux qui vous rongent le cœur et vous rendent insensible à tout ce qui vous entoure. Je n'ai pas de secrets. Et plût à Dieu si j'en avais qui fussent de nature à faire de moi une statue. Quand vous aviez 10 ou 12 ans, toutes vos peines, tous vos petits chagrins se rattachaient à moi. D'un regard sévère ou indulgent de ces yeux que voilà dépendait la tristesse ou la joie des vôtres. Et votre petite tête brune tenait par un fil bien délié au cœur de votre mère. Maintenant, mon enfant, je ne suis plus qu'une vieille sœur, incapable peut-être de soulager vos ennuis, mais non pas de les partager. Oh, ma mère, vous aussi, vous avez été belle. Sous ce long manteau qui vous couvre, l'œil reconnaît le port majestueux d'une reine et les formes gracieuses d'une Diane chasseresse. Oh, ma mère, vous avez inspiré l'amour. Sous vos fenêtres entrouvertes a murmuré le son de la guitare. Sur ces places bruyantes, dans le tourbillon de ces fêtes, vous avez promené une insouciante et superbe jeunesse. Vous n'avez point aimé. Un parent de mon père est mort d'amour pour vous. Oh, quel souvenir me rappelles-tu? Ainsi votre cœur peut en supporter la tristesse. Si ce n'est pas vous demander des larmes, racontez-moi cette aventure, ma mère. Faites-moi connaître les détails. Hélas, mon enfant, à quoi bon? Quelle triste fantaisie avez-vous? Je vous en supplie. J'écoute. Vous le voulez? Votre père ne m'avait jamais vue alors. Il se chargea comme allié de ma famille de faire agréer la demande du jeune Orsini qui voulait m'épouser. Il fut reçu comme le méritait son rang par votre grand-père et admis dans son intimité.
Orsini était un excellent parti. Et cependant, je le refusais. Votre père, en plaidant pour lui, avait tué dans mon cœur le peu d'amour qu'Orsini m'avait inspiré pendant 2 mois d'assiduité constante. Je n'avais pas soupçonné la force de sa passion pour moi. Lorsqu'on lui apporta ma réponse, il tomba privé de connaissance dans les bras de votre père. Cependant, une longue absence, un voyage qu'il entreprit alors et dans lequel il augmenta sa fortune, devait avoir dissipé ses chagrins. Votre père changea de rôle et demanda pour lui ce qu'il n'avait pu obtenir pour Orsini. Je l'aimais d'un amour sincère. Et l'estime qu'il avait inspirée à ma famille ne me permit pas d'hésiter. Le mariage fut décidé le jour même. Et l'église s'ouvrit pour nous, quelques semaines après. Orsini revint à cette époque. Il vint trouver votre père, l'accabla de reproches, l'accusa d'avoir trahi sa confiance et d'avoir causé le refus qu'il avait essuyé. Du reste, ajouta-t-il, si vous avez désiré ma perte, vous serez satisfait. Épouvanté de ces paroles, votre père vint trouver le mien et lui demander son témoignage pour désabuser Orsini. Hélas, il n'était plus temps. On trouva dans sa chambre le pauvre jeune homme, frappé d'un coup d'épée. Il a fini aussi? Oh oui. Bien cruellement. Non, ma mère, elle n'est point cruelle. La mort qui vient en aide à l'amour sans espoir. La seule chose dont je le plaigne, c'est qu'il s'est cru trompé par son ami. Qu'avez-vous? Célio, vous détournez la tête. Et vous, ma mère, vous êtes émue. Ce récit, je le vois, vous a trop coûté. J'ai eu tort de vous le demander. Ne songez point à mes chagrins. Ce ne sont que des souvenirs. Les vôtres me touchent bien davantage. Si vous refusez de les combattre, ils ont longtemps à vivre dans votre jeune cœur. Je ne vous demande pas de me les dire. Mais je les vois. Et puisque vous prenez part au mien, venez. Tâchons de nous défendre. Tâchons de vivre, mon enfant. Et de regarder gaiement ensemble, moi, le passé et vous, l'avenir. Venez. Célio, donnez-moi la main. Il n'aime plus que jamais. Et sa mélancolie se trompe elle-même sur les désirs qui la nourrissent. Je croirais presque qu'il se défie de vous, de moi, de tout ce qui l'entoure. Non, par le ciel, je n'y renoncerai pas. Je me sens moi-même une autre Marianne et il y a du plaisir à être entêté. Ou Célio réussira ou j'y perdrai ma langue. Agirez-vous contre sa volonté? Oui, pour agir d'après la mienne, qui est sa sœur aînée. Et pour envoyer aux enfers mes cercles odieux, le pédestal que je déteste, méprise et aborde, et puis les pieds jusqu'à la tête. Faites-lui donc vous-même votre réponse, car le voici. Et quant à moi, je cesse de m'en mêler. Comment, Célio, tu abandonnes la partie? Que veux-tu que je fasse? Te défies-tu de moi?
Te voilà pâle comme la neige. D'où viens-tu? De chez ma mère. Pourquoi cette tristesse? Je ne sais. Pardonne, pardonne-moi. Va trouver Marianne. Dis-lui que me tromper, c'est me donner la mort. Et que ma vie est dans ses yeux. Mais que diantre as-tu à faire de la mort? À propos de quoi y penses-tu? Oh, mon ami, je l'ai devant les yeux. La mort? Oui. L'amour et la mort. Qu'est-ce à dire? L'amour et la mort, Octave, se tiennent la main. Celui-là est la source du plus grand bonheur que l'homme puisse rencontrer ici-bas. Celle-ci met un terme à tous les obstacles, à tous les maux. C'est un livre que tu as là. Oui. Et que tu n'as probablement pas lu. Très probablement. Quand on en lit un, il n'y a pas de raison pour ne pas lire tous les autres. Lorsque le cœur éprouve sincèrement un profond sentiment d'amour, il éprouve aussi comme une fatigue et une langueur qui lui font désirer de mourir. Pourquoi? Je ne sais. Ni moi non plus. Peut-être est-ce l'effet d'un premier amour. Peut-être que ce vaste désert où nous sommes effraie les regards de celui qui aime. Peut-être que cette terre ne lui semble plus habitable s'il ne peut trouver ce bonheur nouveau, unique, infini que son cœur lui représente. Ah, oh, ça, mais à qui en as-tu? Le paysan, l'artisan grossier qui ne sait rien, la jeune fille timide qui frémit d'ordinaire à la seule pensée de la mort, s'enhardit lorsqu'elle aime, jusqu'à porter un regard sur un tombeau. Octave, la mort nous mène à Dieu. Et mes genoux plient quand j'y pense. Bonsoir, mon cher ami. Où vas-tu? J'ai affaire en ville ce soir. Adieu. Fais ce que tu voudras. Mais cette mort dont tu parles, est-ce que tu en as peur par hasard? Ah, que j'eusse pu me faire un nom dans les tournois et les batailles. Qu'il m'eût été permis de porter les couleurs de Marianne et de les teindre de mon sang. Qu'on m'eût donné un rival à combattre une armée entière à défier. Que le sacrifice de ma vie eût pu lui être utile. Je sais agir. Mais je ne sais pas parler. Ma langue ne sert point mon cœur. Et je mourrai sans m'être fait comprendre, comme un muet dans une prison. Salut, à quoi penses-tu? Il y a d'autres Marianne sous le ciel. Soupons ensemble et moquons-nous de cette Marianne-là. Adieu. Adieu. Je ne puis m'arrêter plus longtemps. Je te verrai demain, mon ami. Célio, écoute donc. Nous trouverons une Marianne bien gentille, douce comme un agneau, et n'allons point à vêpres. Surtout. En vérité, voilà qui est étrange. N'importe, je ne céderai pas. Je suis comme un homme qui tient la banque d'un pharaon pour le compte d'un autre et qui a la veine contre lui. Il noierait plutôt son meilleur ami que de céder, et la colère de perdre avec l'argent d'autrui l'enflamme 100 fois plus que ne ferait sa propre ruine. Oh, voici Marianne qui sort. Elle va sans doute à vêpres. Belle Marianne, vous dormirez tranquille. Le cœur de Célio est à une autre. Et ce n'est plus sous vos fenêtres qu'il donnera ses sérénades. Quel dommage! Et quel grand malheur de n'avoir pu partager un amour comme celui-là. Voyez comme le hasard me contrarie, moi qui allais l'aimer. En vérité? Oui, sur mon âme. Ce soir ou demain matin, dimanche au plus tard, je lui appartenais. Qui pourrait ne pas réussir avec un ambassadeur tel que vous? Il faut croire que sa passion pour moi était quelque chose comme du chinois. Ou de l'arabe, puisqu'il lui fallait un interprète et qu'elle ne pouvait s'expliquer toute seule. Railler. Railler, nous ne vous craignons plus. Ou peut-être que cet amour n'était encore qu'un pauvre enfant à la mamelle. Et vous, comme une sage nourrice en le menant à la lisière, vous l'aurez laissé tomber la tête la première en le promenant par la ville. La sage nourrice s'est contentée de lui faire boire d'un certain lait que la vôtre vous a versé sans doute et généreusement. Vous en avez encore sur les lèvres une goutte qui se mêle à toutes vos paroles. Comment s'appelle ce lait? Merveilleux. L'indifférence. Vous ne pouvez ni aimer, ni haïr. Et vous êtes comme les roses du Bengale, Marianne, sans épines et sans parfum. Bien dit. Aviez-vous préparé d'avance cette comparaison? Si vous ne brûlez pas le brouillon de Voirangue, donnez-le-moi de grâce que je les apprenne à ma perruche. Qui trouvez-vous qui puisse vous blesser? Une fleur sans parfum n'en est pas moins belle. Bien au contraire, ce sont les plus belles que Dieu a faites ainsi.
Et le jour où, comme une galatée d'une nouvelle espèce, vous deviendrez de marbre au fond de quelque église, ce sera une charmante statue que vous ferez, et qu'il ne laissera pas que de trouver quelques niches respectables dans un confessionnal. Mon cher cousin, est-ce que vous ne plaignez pas le sort des femmes? Voyez un peu ce qui m'arrive. Qu'il est décrété par le sort que Célio m'aime ou qu'il croit m'aimer, lequel Célio le dit à ses amis, lesquels amis décrètent à leur tour que sous peine de mort je serai sa maîtresse. La jeunesse napolitaine daigne m'envoyer en votre personne un digne représentant, chargé de me faire savoir que j'ai à aimer le dit seigneur Célio d'ici à une huitaine de jours. Faisez cela, je vous en prie. Si je me rends, que dira-t-on de moi? N'est-ce pas une femme bien abjecte que celle qui obéit à point nommé alors convenue à une pareille proposition? Ne va-t-on pas la déchirer à belles dents, la montrer au doigt, et faire de son nom le refrain d'une chanson à boire? Si elle refuse, au contraire, est-il un monstre qui lui soit comparable? Est-il une statue plus froide qu'elle? Et l'homme qui lui parle, qui ose l'arrêter en place publique, son livre de messe à la main, n'a-t-il pas le droit de lui dire « Vous êtes une rose du Bengale sans épines et sans parfum ?» Lille, cousine, ne vous fâchez pas. N'est-ce pas une chose bien ridicule que l'honnêteté et la foi jurée? L'éducation d'une fille, la fierté d'un cœur qui s'est figuré qu'il vaut quelque chose, et qu'avant de jeter au vent la poussière de sa fleur chérie, il faut que le calice en soit baigné de larmes, épanoui par quelques rayons de soleil, entrouvert par une main délicate. Tout cela n'est-il pas un rêve? Une bulle de savon que le premier soupir d'un cavalier à la mode doit évaporer dans les airs? Vous vous méprenez sur mon compte et sur celui de Célio. Qu'est-ce après tout qu'une femme? L'occupation d'un moment. Une coupe fragile qui renferme une goutte de rosée qu'on porte à ses lèvres et qu'on jette par-dessus son épaule. Une femme, c'est une partie de plaisir. Ne pourrait-on pas dire quand on en rencontre une, voilà une belle nuit qui passe? Et ne serait-ce pas un grand écolier en de telles matières que celui qui baisserait les yeux devant elle, qui se dirait tout bas, voilà peut-être le bonheur d'une vie entière, et qui la laisserait passer? Quel don de petite femme. Et voilà! Apportez-moi ici une bouteille de quelque chose. Ce qui vous plaira, Excellence. Voulez-vous du Lacryma Christi? Soit, soit. Allez-vous un peu chercher dans les rues d'alentour le seigneur Célio, qui porte un manteau sombre, un pourpoint plus sombre encore. Vous lui direz qu'un de ses amis est là, qui boit tout seul du Lacryma Christi. Après quoi? Vous irez à la grande place et vous m'apporterez une certaine Rosalinde, qui est rousse. Et qui est toujours à sa fenêtre. Je ne sais ce que j'ai dans la gorge, je suis triste comme une procession. Je ferai aussi bien de dîner ici. Voilà le jour qui baisse. Quel ennui, ces cloches! Quand auront-elles fini de me mener en terre? Est-ce que j'ai envie de dormir? Je me sens tout pétrifié. Cousin Claudio, vous êtes un beau juge. Où allez-vous si couramment? Qu'entendez-vous par là, seigneur Octave? J'entends que vous êtes un magistrat qui a de belles formes. De langage ou de complexion? De langage, de langage. Votre robe est pleine d'éloquence et vos jambes sont de charmantes parenthèses. Soit dit en passant, seigneur Octave! Le marteau de ma porte m'a tout l'air de vous avoir brûlé les doigts. En quelle façon, juge plein de science? En y voulant frapper, cousin plein de finesse. Ajoute hardiment plein de respect, Claudio, pour le marteau de ta porte, mais tu peux le faire peindre à neuf sans que je craigne de m'y serrer les doigts. En quelle façon, cousin plein de facétie? En n'y frappant jamais, juge plein de causticité. Cela vous est pourtant arrivé.
puisque ma femme a enjoint à ces gens de vous fermer la porte au nez à la première occasion. Tes lunettes sont myopes, juge plein de grâce. Tu te trompes d'adresse dans ton compliment. Mes lunettes sont excellentes, cousin plein de riposte. N'as-tu pas fait à ma femme une déclaration amoureuse? À quelle occasion, subtil magistrat? À l'occasion de ton ami Célio. Messager complaisant, malheureusement, j'ai tout entendu. Par quelle oreille, sénateur incorruptible? Par celle de ma femme, qui m'a tout raconté. Godeluro, chérie. Tout, absolument, épouille de l'attrait. Rien n'est resté dans cette charmante oreille? Il y est resté sa réponse, charmant pilier de cabaret que je suis chargé de te faire. Je ne suis pas chargé de l'entendre, cher procès-verbal. Ce sera dans ma porte en personne qui te la fera. Aimable croupier de roulette, si tu t'avises de la consulter. C'est ce dont je ne me soucie guère, chère sentence de mort. Je vivrai heureux sans cela. Puisses-tu le faire en repos, cher cornet de passe 10. Je te souhaite 1000 prospérités. Rassure-toi sur ce sujet, cher verrou de prison, et dors tranquille, comme à l'audience. Monsieur, la demoiselle Rousse n'est point à sa fenêtre. Elle ne peut se rendre à votre invitation. Que le diable l'emporte, et toi aussi. Et le monsieur au manteau sombre n'est pas dans les rues d'alentour. Mais j'ai rencontré son laquais, à qui j'ai dit d'aller le chercher. La peste soit tout l'univers. Est-il donc décidé que je suis sous précelle aujourd'hui? La nuit arrive en poste. Que diable vais-je devenir? Bon. Bon, ceci me convient. Je suis capable d'ensevelir ma tristesse dans ce vin. Ou du moins ce vin dans ma tristesse. Oh, les vêpres sont finies, voici Marianne qui revient. Encore ici, Seigneur Octave est déjà à table. C'est un peu triste de s'enivrer tout seul. Le monde entier m'abandonne, je tâche d'y voir double afin de me servir en moi-même de compagnie. Comment pas un de vos amis, pas une de vos maîtresses, qui vous soulage de ce fardeau terrible? La solitude. Faut-il vous dire ma pensée? J'avais envoyé chercher une certaine Rosalinde, qui me sert de maîtresse. Elle soupe en ville comme une personne de qualité. C'est une fâcheuse affaire, sans doute. Et votre cœur en doit ressentir un vide. Effroyable. Un vide que je ne saurais exprimer. Et que je communique en vain à cette large coupe. Le carillon des vêpres m'a fendu le crâne pour tout l'après-dîner. Dites-moi, cousin. Est-ce du vin casse-sous la bouteille que vous buvez? N'en riez pas, c'est du Lacryma Christi, ni plus ni moins, et délicieux. Cela m'étonne que vous ne buviez pas du vin à 15 sous. Buvez-en, je vous en prie. Pourquoi en boirais-je, s'il vous plaît? Goûtez-en. Je suis sûr qu'il n'y a aucune différence avec celui-là. Il y en a une aussi grande qu'entre le soleil et une lanterne. Mais non, vous dis-je, c'est la même chose. Dieu m'en préserve, vous moquez-vous de moi? Vous trouvez qu'il y a une grande différence? Assurément. Je croyais qu'il en était du vin comme des femmes. Oh. Une femme n'est-elle pas aussi un vase précieux scellé comme ce flacon de cristal? Ne renferme-t-elle pas une ivresse grossière ou divine selon sa force et sa valeur? Et n'y a-t-il pas parmi elles le vin du peuple et les larmes du Christ? Quel misérable cœur est-ce donc le vôtre pour que vos lèvres lui fassent la leçon? Vous ne boiriez pas le vin que boit le peuple. Vous aimez les femmes qu'il aime. L'esprit généreux et poétique de ce flacon doré, ces sucs merveilleux que la lave du Vésuve a cuvé sous son ardent soleil, vous conduiront chancelant et sans force dans les bras d'une fille de joie. Vous rougiriez de boire un vin grossier. Votre gorge se soulèverait. Ah, vos lèvres sont délicates. Mais votre cœur s'enivre à bon marché. Bonsoir, cousin. Puisse Rosalinde rentrer ce soir chez elle? Deux mots de grâce, belle Marianne. Et ma réponse sera courte. Combien de temps pensez-vous qu'il faille faire la cour à la bouteille que vous voyez pour obtenir ses faveurs?
Elle est, comme vous dites, toute pleine d'un esprit céleste, le vin du peuple lui ressemble aussi peu qu'un paysan à son seigneur. Cependant, regardez comme elle se laisse faire. Elle n'a reçu, j'imagine, aucune éducation. Elle n'a aucun principe. Voyez comme elle est bonne fille. Un mot a suffi pour la faire sortir du couvent. Toute poudreuse encore, elle s'en est échappée pour me donner un quart d'heure d'oubli et mourir. Sa couronne virginale empourprée de cire odorante est aussitôt tombée en poussière et je ne puis vous le cacher. Elle a failli passer tout entière sur mes lèvres dans la chaleur de son premier baiser. Êtes-vous sûr qu'elle en vaut davantage? Et si vous êtes un de ses vrais amants, n'iriez-vous pas, si la recette en était perdue, en chercher la dernière goutte jusque dans la bouche du volcan? Elle n'en vaut ni plus ni moins. Elle sait qu'elle est bonne à boire et qu'elle est faite pour être bue. Dieu n'en a pas caché la source au sommet d'un pic inabordable au fond d'une caverne profonde. Il l'a suspendue en grappe dorée sur nos brillants coteaux. Elle y fait le métier des courtisanes. Elle y effleure la main du passant. Elle y étale au rayon du soleil sa gorge rebondie. Et toute une cour d'abeilles et de frelons murmure autour d'elle matin et soir. Le voyageur dévoré de soif peut se coucher sous ses rameaux verts jamais. Elle ne l'a laissé languir, jamais. Elle ne lui a refusé les douces larmes dont son cœur est plein. Marianne, c'est un don fatal que la beauté. La sagesse dont elle se vante est sœur de l'avarice. Et il y a plus de miséricorde dans le ciel pour ses faiblesses que pour sa cruauté. Bonsoir, cousine. Puisse Célio vous oublier? Je sois un mannequin et que je me promène sur la terre pour servir d'épouvantail aux oiseaux. D'où vous vient cette gracieuse idée? Pensez-vous qu'un juge criminel ignore la valeur des mots et qu'on puisse se jouer de sa crédulité comme de celle d'un danseur ambulant? À qui en avez-vous ce soir? Pensez-vous que je n'ai pas entendu vos propres paroles? Si cet homme ou son ami se présente à ma porte, qu'on la lui fasse fermer. Et croyez-vous que je trouve convenable de vous voir converser librement avec lui sous une tonnelle lorsque le soleil est couché? Vous m'avez vu sous une tonnelle? Oui! Ouais. Ces yeux que voilà, sous la tonnelle d'un cabaret. La tonnelle d'un cabaret n'est point un lieu de conversation pour la femme d'un magistrat. Et il est inutile de faire fermer sa porte quand on se renvoie le dé en plein air avec si peu de retenue. Depuis quand m'a-t-il défendu de causer avec un de vos parents? Quand un de mes parents est un de vos amants, il est fort bien fait de s'en abstenir. Octave, un de mes amants. Perdez-vous la tête! Il n'a de sa vie fait la cour à personne. Son caractère est vicieux, c'est un coureur de tripots! Raison de plus! Pour qu'il ne soit pas, comme vous dites, fort agréablement un de mes amants. Il me plaît de parler à Octave sous la tonnelle d'un cabaret. Ne me poussez pas à quelques fâcheuses extrémités par vos extravagances et à réfléchissez à ce que vous faites. À quelle extrémité voulez-vous que je vous pousse? Je suis curieuse de savoir ce que vous feriez. Je vous défendrai de le voir et d'échanger avec lui aucune parole. Soit dans ma maison, soit dans une maison tierce, soit en plein air. Ah, vraiment, voilà qui est nouveau. Octave est mon parent tout autant que le vôtre. Je prétends lui parler quand bon me semblera, en plein air ou ailleurs, et dans cette maison, s'il lui plaît d'y venir. Souvenez-vous de cette dernière phrase que vous venez de prononcer. Je vous ménage un châtiment exemplaire si vous allez contre ma volonté. Trouvez bon que j'aille d'après la mienne. Et ménagez-moi ce qu'il vous plaît. Je m'en soucie comme de cela. Marianne! Brisons cet entretien. Vous vous sentirez l'inconvenance de s'arrêter sous une tonnelle, ou vous me réduirez à une violence. Qui répugne à mon habit. Hola, quelqu'un.
Vous voyez ce jeune homme là-bas, assis devant cette table? Allez lui dire que j'ai à lui parler et qu'il prenne la peine de venir ici. Ah, voilà qui est nouveau. Pour qui me prend-on? Quel mal y a-t-il donc? Qu'est-ce que cela signifie? Vous me réduirez à la violence, mais quelle violence! Oh, je voudrais que ma mère fût là. Oh, bon, elle est de son avis dès qu'il dit un mot. J'ai une envie de battre quelqu'un. Oh. C'est donc là le commencement. On me l'avait prédit. Je le savais, je m'y attendais. Il me ménage un châtiment, et lequel, par hasard? Je voudrais bien savoir ce qu'il veut dire. Approchez-vous, Octave, j'ai à vous parler. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit sur le compte de votre ami Célio. Dites-moi, pourquoi ne s'explique-t-il pas lui-même? Par une raison assez simple. Il vous a écrit, vous avez déchiré ses lettres. Il vous a envoyé quelqu'un, vous lui avez fermé la bouche. Il vous a donné des concerts, vous l'avez laissé dans la rue. Ma foi, il s'est donné au diable. Et l'on s'y donnerait à moi. Cela veut dire qu'il a songé à vous? Oui. Eh bien, parlez-moi de lui. Sérieusement? Mais oui, sérieusement. Me voilà, j'écoute. Vous voulez rire? Mais quel pitoyable avocat êtes-vous donc? Parlez! Que je veuille rire ou non. Mais que regardez-vous à droite et à gauche, en vérité, vous êtes en colère. Je veux prendre un amant, Octave. Sinon, un amant, du moins un cavalier. Si je vous ai bien compris tout à l'heure, ne me reprochiez-vous pas, avec votre bouteille, de me montrer trop sévère et d'éloigner de moi ceux qui m'aiment? Eh bien, soit je consens à les entendre. Je suis menacée, je suis outragée. Et je vous le demande, l'ai-je mérité? Non, assurément, tant s'en faut. Je ne sais ni mentir ni tromper personne. Et c'est justement par cette raison que je ne veux pas être contrainte. Que me conseillez-vous? Je me rapporte à votre choix. Puis-je répéter à Célio? Célio ou tout autre, peu m'importe. Dès demain, dès ce soir, celui qui aura la fantaisie de chanter sous mes fenêtres trouvera ma porte entrouverte. Eh bien, vous ne parlez pas? Je vous dis que je prends un amant. Tenez. Voilà mon écharpe en gage. Qui vous voudrez la rapportera? Marianne, quelle que soit la raison qui a pu vous inspirer, une minute de complaisance, puisque vous m'avez appelé, puisque vous consentez à m'entendre au nom du ciel, restez la même une minute encore, permettez-moi de vous parler. Que voulez-vous me dire? Si jamais homme au monde a été digne de vous comprendre, digne de vivre et de mourir pour vous, cet homme est Célio. Je n'ai jamais valu grand-chose et je me rends cette justice que la passion dont je fais l'éloge trouve un misérable interprète. Or, si vous saviez sur quel autel sacré vous êtes adoré comme un dieu, vous si jeune, si belle, si pure encore, livré à un vieillard qui n'a plus de sens et qui n'a jamais eu de cœur, si vous saviez quel trésor de bonheur, quelle mine féconde repose en vous, en lui, dans cette fraîche aurore de jeunesse, dans cette rosée céleste de la vie, dans ce premier accord de deux âmes jumelles. Je ne vous parle pas de sa souffrance, de cette douce et triste mélancolie qui ne s'est jamais lassée de vos rigueurs et qui en mourrait sans se plaindre. Mmh. Oui, Marianne, il en mourra. Mais que puis-je vous dire? Qu'inventerai-je pour donner à mes paroles la force qui leur manque? Je ne sais pas le langage de l'amour. Regardez dans votre âme, c'est elle qui peut vous parler de la sienne. Y a-t-il un pouvoir capable de vous toucher, vous qui savez supplier Dieu? Existe-t-il une prière qui puisse rendre ce dont mon cœur est plein? Mais relevez-vous, Octave. En vérité, si quelqu'un venait ici, ne croirait-on pas à vous entendre que c'est pour vous que vous plaidez? Marianne, Marianne, au nom du ciel, ne souriez pas! Ne fermez pas votre cœur au premier éclair qu'il ait peut-être traversé. Ce caprice de bonté, ce moment précieux va s'évanouir. Vous avez prononcé le nom de Célio, vous avez pensé à lui, dites-vous. Oh, si c'est une fantaisie, ne me la gâtez pas. Le bonheur d'un homme en dépend. Êtes-vous sûr qu'il ne me soit pas permis de sourire? Oui, vous avez raison. Je sais tout le tort que mon amitié peut faire. Je sais qui je suis, je le sens. Un pareil langage dans ma bouche a l'air d'une raillerie. Vous doutez de la sincérité de mes paroles? Jamais, peut-être, je n'ai senti avec plus d'amertume qu'en ce moment le peu de confiance que je puis inspirer. Pourquoi cela?
Vous voyez que j'écoute. Célio me déplaît, je ne veux pas de lui. Parlez-moi de quel coup. De qui vous voudrez. Choisissez-moi dans vos amis un cavalier digne de moi. Envoyez-le-moi, Octave. Vous voyez que je m'en rapporte à vous. Femme, trois fois femme. Célio vous déplaît, mais le premier venu vous plaira. L'homme qui vous aime depuis un mois, qui s'attache à vos pas, qui mourrait de bon cœur sur un mot de votre bouche, celui-là vous déplaît. Il est jeune, beau, riche et digne en tout point de vous, mais il vous déplaît. Et le premier venu vous plaira. Faites ce que je vous dis. Vous ne me revoyez jamais. Ton écharpe est bien jolie, Marianne. Et ton petit caprice de colère est un charmant traité de paix. Il ne me faudrait pas beaucoup d'orgueil pour le comprendre. Un peu de perfidie suffirait. Ce sera pourtant Célio qui en profitera. Tu m'as fait demander, mon ami. Attache ce chiffon à ton bras droit, Célio. Prends ta guitare et ton épée. Tu es l'amant de Marianne. Au nom du ciel, ne tris pas de moi. La nuit sera belle. La lune va paraître à l'horizon. Marianne sera seule ce soir derrière sa jalousie. Elle consente. Écoutez, sa porte sera entrouverte. Tu es un heureux garçon, Célio. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Ou tu es ma vie, Octave? Ou tu es sans pitié? Tu n'es pas encore parti. Je te dis que tout est convenu. Une chanson sous ta fenêtre? Cache-toi un peu le nez dans ton manteau afin que les espions du mari ne te reconnaissent pas, sois sans crainte. Afin qu'on te craigne. Et si elle résiste, prouve-lui qu'il est un peu tard. Oh mon Dieu, le cœur me manque. Et à moi aussi, car je n'ai dîné qu'à moitié. Allons, mon ami, en route, tu m'embrasses en revenant. En route, en route. La nuit s'avance. Écris sur tes tablettes, Dieu juste, que cette nuit doit m'être comptée dans ton paradis. Est-ce bien vrai que t'es un paradis? En vérité, cette femme était belle et sa petite colère lui allait bien. D'où venait-elle? C'est ce que j'ignore. Souffler une maîtresse à son ami, c'est une rouerie trop commune pour moi. Marianne ou tout autre, qu'est-ce que cela me fait? La véritable affaire est de souper. Il est clair que Célio est à jeun. Oh, comme tu m'aurais détesté, Marianne, si je t'avais aimé, comme tu m'aurais fermé ta porte, comme ton bélitre de mari t'aurait paru un Adonis, un Sylvain, à comparaison de moi. Où est donc la raison de tout cela? Fou, trois fois fou allié, celui qui calcule ses chances et qui met la raison de son côté. La justice céleste tient une balance dans ses mains, la balance est parfaitement juste, mais tous les poids sont creux. Dans l'un, il y a une pistole, dans l'autre, un soupir amoureux, dans celui-là, il y a une migraine, et dans celui-ci, il y a le temps qu'il fait. Et toutes les actions humaines s'en vont de haut en bas, selon ses poids capricieux. Monsieur, voici une lettre à votre adresse. Elle est si pressée que vos gens l'ont apportée ici. On a recommandé de vous la remettre, en quelque lieu que vous fussiez ce soir. Voyons un peu cela. Ne venez pas ce soir. Mon mari a entouré la maison d'assassins. Et vous êtes perdu s'il vous trouve, Marianne. Malheureux que je suis, qu'ai-je fait? Dieu veuille qu'il soit encore temps. Laissez-le entrer. Et jetez-vous sur lui dès qu'il sera parvenu à ce bosquet. Et s'il entre par l'autre côté? Alors, attendez-le au coin du mur. Et voici qui vient. Voyez, monsieur, comme son ombre est grande. C'est un homme d'une belle stature. Retirons-nous à l'écart. Et frappons quand il en sera temps. Marianne, êtes-vous là? Fuyez, Octave. Vous n'avez donc pas reçu ma lettre? Seigneur, mon Dieu, quel nom ai-je entendu? La maison est entourée d'assassins. Mon mari a écouté notre conversation et vous êtes perdu s'il vous trouve. Est-ce un rêve? Suis-je, Célio? Octave, Octave, au nom du ciel, ne vous arrêtez pas. Puisse-t-il être encore temps de vous échapper? Demain, trouvez-vous à midi ici. J'y serai. Oh. Mort! Puisque tu es là, viens donc à mon secours! Octave. Traître, Octave, puisque tu savais quel sort m'attendait ici et que tu m'y as envoyé à ta place, tu seras satisfait dans ton désir. Oh mort, je t'ouvre les bras. Voici le terme de mes maux. Thank you.
promesse, allez-vous? Je ne pense pas que son habitude soit de coucher dans cette maison. Oh, si tu vas assassiner Claudio, prends garde à toi. Je te tordrai le cou de ces mains que voilà. Êtes-vous fou ou somnambule? N'allais-tu pas toi-même pour te promener à cette heure en poignard à la main? Cherchez dans le jardin, si bon vous semble. Je n'y ai vu entrer personne. Et si quelqu'un l'a voulu faire? Il me semble que j'avais le droit de ne pas lui ouvrir. Tout est-il fini comme je l'ai ordonné? Oui, monsieur, soyez tranquille. Ils peuvent chercher tant qu'ils voudront. Maintenant, songeons à ma femme. Et allons prévenir sa mère. Moi, Maria. Célio n'est plus. Célio, dites-vous? Comment se peut-il? Il n'est plus. Oh, ciel! Il n'est plus. N'allez pas par là. Voulez-vous que j'aille? Je suis perdue, Octave. Il faut partir, il faut fuir. Claudio sûrement n'est pas dans la maison. Non, ils ont pris leurs précautions et m'ont laissé prudemment seul. Je le connais, je suis perdue et vous peut-être aussi. Partons, ils vont revenir et tout à l'heure... Partez si vous voulez, je reste. Quoi qu'il advienne, je les attendrai. Mais moi, Octave, m'abandonnerez-vous? Je veux veiller près de lui dans son dernier sommeil. Seul au monde, je l'ai connu. Cette urne d'albâtre couverte de ce long voile de deuil et sa parfaite image. C'est ainsi qu'une douce mélancolie voilait les perfections de cette âme tendre et délicate. Pour moi seul, cette vie silencieuse n'aura point été un mystère. Les longues soirées que nous avons passées ensemble ont été comme de fraîches oasis dans un désert aride. Elles ont versé sur mon cœur les seules gouttes de rosée qui soient jamais tombées. Célio était la bonne partie de moi-même. Elle est remontée au ciel avec lui. C'était un homme d'un autre temps. Il connaissait les plaisirs et leur préférait la solitude. Il savait combien les illusions sont trompeuses et il préférait ces illusions à la réalité. Elle eût été heureuse, la femme qui l'eût aimée. Ne serait-elle point heureuse, Octave? La femme qui t'aimerait? Je ne sais point aimer, Célio seul le savait. La cendre que renferme sa tombe est tout ce que j'ai aimé sur la terre. Tout ce que j'aimerais. Lui seul savait verser dans une autre âme toutes les sources de bonheur qui reposaient dans la sienne. Lui seul était capable d'un dévouement sans borne. Lui seul lui consacrait sa vie entière à la femme qu'il aimait, aussi facilement qu'il aurait bravé la mort pour elle. Et vous, Octave, ne le feriez-vous pas? Je ne suis qu'un débauché sans cœur. Je n'estime point les femmes. L'amour que j'inspirais comme celui que je ressens, l'ivresse passagère d'un songe. Je ne sais pas les secrets qu'il savait. Ma gaieté est comme le masque d'un histrion. Mon cœur est plus vieux qu'elle, mes sens blasés n'en veulent plus. Je ne suis qu'un lâche. Sa mort n'est point vengée. Comment aurait-elle pu l'être, à moins de risquer votre vie? Célio m'aurait vengé. Si j'étais mort pour lui comme il est mort pour moi, son tombeau m'appartient, c'est moi. Qu'ils ont étendu sous cette froide pierre, c'est pour moi qu'ils avaient aiguisé leurs épées, c'est moi qu'ils ont tué.
Adieu, la gaieté de ma jeunesse. L'insouciante folie, la vie libre et joyeuse au pied du Vésuve. Adieu les bruyants repas, les causeries du soir, les sérénades sous les balcons dorés. Adieu Naples et ses femmes. Les mascarades à la lueur des torches, les longs soupers à l'ombre des forêts. Adieu l'amour. Et l'amitié. Ma place est vide sur la terre. Mais non pas dans mon cœur, Octave. Pourquoi dis-tu adieu l'amour? Je ne vous aime pas, Marianne. C'était Célio qui vous aimait.